Donc, à partir de mon DXF que j'ai généré à partir de SolidWorks, je le passe dans un petit logiciel free qui va me transformer ça, ce DXF, en G-code. Le G-code, je peux le récupérer sous mon slicer. On va le lancer, tiens, c'est rapide. Donc, voilà, donc il faut ouvrir, c'est du NGC. Le voilà, ça c'est le G-code. Voilà, traitement terminé, c'est tranché. On transfère ça sur la carte SD. Voilà, la carte SD, je l'ai fait tout à l'heure en fait. Donc il est là, j'en fais une copie et puis je le renomme polar.plg. J'ai inventé l'extension PLG. Polar, P-O-L-A-R. C'est le seul qui va lire là-bas sur le lecteur. Donc, j'installe la carte SD dans le lecteur. Il faut qu'il soit sous la racine de la carte. Et puis, à partir de la console série qui n'est pas ouverte, d'une console série, après moi je pense celle d'Arduino, mais il suffit de lancer un run. Et voilà, c'est parti. Il y a d'autres commandes possibles. Oula, le crayon noir aussi, effectivement. Il y a d'autres commandes. On peut faire un stop, par exemple. Voilà. Bon. Taper dans la boîte. Un stop. Voilà, magie. Il s'arrête. Tu vas boire ton café. Discuter avec les collègues. Tu reviens et tu fais un run. Et il redémarre là où il s'est arrêté tout à l'heure. Autre commande possible, un RAS, R-A-Z. Ça l'arrête, il remonte à l'origine. Ah ouais, le crayon fatigué. Et si on fait un run, cette fois-ci, il va redémarrer, mais au départ du fichier G-code. C'est mieux pour le crayon. Alors, je suis en vitesse 2500, je crois. Ça gigote un peu. Voilà, et là, magie, il s'arrête. Change le stylo. Là. Alors le changeur automatique serait certainement plus précis. Voilà. On valide le clavier. Et il reprend. Voilà, tu rentres à la maison.